Je tenais à vous annoncer officiellement que mon ami Romain, fils de Christophe, rendra hommage à son père au travers d'un livre, a annoncé sur Facebook David Molitor, l'un des deux responsables du forum de fans de Christophe, Christophe Passion, le 14 avril. Voilà une grande nouvelle pour se souvenir avec émotion du chanteur, décédé d'un emphysème pulmonaire après avoir contracté le Covid-19 il y a un an, le 16 avril 2020. Fils de Christophe et de la chanteuse Michèle Thor, Romain Vidal a entretenu une relation complexe avec son regretté père. L'interprète d'Aline ne l'a en effet pas reconnu, et n'a noué des liens étroits, mais confidentiels, avec lui que dans les années 1990. Je me suis sentie exclue. Exclue de son hospitalisation, exclue de ses obsèques, exclue de cette vente aux enchères à la rentrée où ont été dispersés ses objets personnels, avait d'ailleurs confié Romain Vidal à Gala au sujet de la disparition de son père. Des révélations explosives, le livre de Romain Vidal promet donc d'être particulièrement croustillant. Notre vérité, les non-dits et beaucoup de témoignages surprises, commencés il y a près de 6 mois et bientôt terminés, a précisé David Molitor à ce sujet. Il devrait également être plus fidèle à la vérité que les mémoires posthumes de Christophe publiées le 7 avril dernier. Romain Vidal avait d'ailleurs émis des doutes sur sa véracité après sa publication. Peut-être qu'il avait écrit certaines choses et ne les avait pas terminées et qu'on les a terminées à sa place, avait-il alors déclaré. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.